Et bonjour à tous, ici Sabien 2 pour l'épisode 5, si je me trompe pas. Merde, j'ai plus. En plus, j'appuie sur F5, sur F9, le F5. Donc ça a coupé 2 secondes, donc c'est ici Sabien 2 hein, pour l'épisode 5. Donc, je suis toujours ici dans la mine, comme d'habitude. Donc. Voilà, bref. Sécession. Donc, j'entendais même plus en fait le son. J'ai touché le micro avec le fil du casque, donc ça fait un vieux son tout pourri, donc désolé. J'ai pas entendu, mais désolé quand même. Je vais éclairer, donc je prends un peu des trucs hein, parce que bon, hop. Donc, moi je suis niveau 40, ouais, c'est pas ici que j'ai des trucs, ça c'est sûr. Non. Bon, je vais enlever déjà tous les trucs. Bon, en fait, j'ai directement fait une en pierre pour pas utiliser celle en fer en fait. Comme ça, j'aurai un stock de fil en même temps. Voilà, donc hop. Je vais peut-être l'aménager un peu plus tard, donc voilà, un petit peu mes stacks tranquille quoi. Casser, hop. Ah oui, encore, il y avait du fer là-bas, je ne sais plus où il est, je crois qu'il est en haut en fait. Là-haut. Je crois que j'avais dû faire. J'arrivais ou quoi? Oui, j'arrivais. Alors, c'était ici. Je savais bien que j'avais dû faire quelque part. Peut-être à me mettre le son de la musique du jeu parce que. Jamais en fait. J'écoute tout le temps des vidéos en jouant en solo, on va dire. Donc voilà. Donc ici la lave. Total enfoiré. T'as un enfoiré. J'ai en fait, je mets le son en 1, comme ça, mais j'ai pas encore pris le truc en fait, pour le prendre automatiquement en fait. J'ai pas encore pris le réflexe. Donc c'est ça qui est assez chiant. Ou un coffre. Ouais, moi du ferro c'est bien. Melon, moins, pourquoi pas. Là c'est une grotte. Ah non. Ah oui quand même. Enfin, c'est une grande grotte on va dire parce que pas mal de lave là-bas.
Oui, quand même, ici il y a beaucoup de trucs, hein. Je peux genre passer des heures dans la mine, je crois. Donc là, je termine cet épisode et puis, mais celui-là, peut-être je vais faire qu'une demi-heure ou 20 minutes. Parce que le précédent épisode, le 4, il fait quand même pratiquement une heure, quoi. Donc, j'équilibre un peu le truc, quoi. Normalement, je fais à peu près une demi-heure, mais là, j'ai pas fait attention à l'heure. Donc, voilà quoi. Je vais essayer de faire attention pour cet épisode. Donjon, un squelette, je crois. Si j'ai bien remarqué. C'est tout qui m'a fait ça, en fait. J'ai vu celui en premier, ça m'a fait tilt. Ah, cool. Bon, un double coffre, c'est plutôt rare ça. C'est la première fois que ça me le fait un double coffre. Je vais prendre la selle parce que ça c'est pas encore trop grave. Ça je m'en fous. Et puis voilà, donc c'est bien. Donc c'est vraiment bien ça parce que maintenant je vais l'aménager avec vous ou en off. Oups. Je ne sais pas encore. Et comme ça j'aurai des os à l'infini. Donc ça va. Il y a une deuxième qui a spawné. T'es un enfoiré. Hop, voilà. Et donc ici, encore des trucs. C'est chiant. Non, c'est vrai que je mange du tout. Bon, je vais attendre un petit peu parce que bon. Donc ce que j'aménage avec vous, mais bon, c'est tellement simple, ça va me prendre peut-être un épisode à vraiment le faire. Je vais peut-être le faire au prochain épisode, comme ça je vais être tranquille. Donc il faut le faire avec vous parce qu'en fait, j'ai pas fait un truc d'expérience. Je fais directement un truc avec de la lave pour dire qu'il meurt direct. Pour avoir les loot, en fait, moi je m'en fous de l'expérience. Franchement, l'expérience, c'est pas encore ça qui est trop. Pas trop chiant, mais bon. Voilà quoi. C'est pas ma priorité en fait. Ouais, c'est ce que je me disais. Bah, tant pis, j'en prends plus. C'est ma dernière truc. Ah non, j'en ai deux. C'est bon, ça. Attendez. Donc je vous rassure, voilà. Je vois pas grand-là. Donc c'est quand même chiant. Alors, allez, viens. Voilà le travail. Ça c'est une pioche en bois, pierre plutôt. Je crois que c'était une en fer. Non,
Vraiment bien le donjon là, franchement. Wow. Tac, tac, tac. Laissez-moi tranquille. Ici. Non, 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 non. Ah, je crois en fait que le poison, on peut pas mourir avec en fait. Je crois. À cause du poison. Donc, c'est bien. Donc je peux me faire du pain aussi. Donc voilà, c'est vraiment bien. J'ai pas mal de fer, de stack. Je suis au 35, j'en ai 13 déjà cuits. Donc j'attaque en force. Ça, c'est une grande là-bas. Moi c'est bon, j'apprends un truc. Hop. Oh. Il doit en avoir un deuxième ici, non? C'est tout ce qu'il y a, ouais. Et bah quand même. Le fer d'or. Et après je vais plus pouvoir en prendre. Ouais. Non, c'est bon, j'ai encore la place. Que mon épée est morte, c'est bon. Au milieu, ça me... Donc, celui-là, on va le sécuriser, apparemment, ici, le truc. Ah non, là, il doit y en avoir un encore en haut, c'est... C'est sûr qu'il doit encore en avoir un haut de donjon d'araignée. Et encore, j'ai encore pas regardé la deuxième partie. Après, il n'y a plus rien, donc je m'en fous. J'ai plus aller loin. Une torche. Le mot est un joli keeper, un joli joli façon de parler. Tout ce que c'est un jeu là, je vais faire attention qu'il n'y a pas, parce que sinon là je pète un câble avec tous les trucs que j'ai sur moi.
Bon. Que je repasse par ici pour retrouver la sortie. C'est chiant. Mais c'est comme ça. Bon, ici, hop. Vu que je sais comme qu'est-ce que c'est comme donjon, je ne sais pas. Bon, après je peux plus te faire parce que après là en fait je vais remonter chez moi et je vais vous quitter. Je vais partir de chez moi en mettant le fer en cuir, etc. etc. Timide à un moment donné. Ok. Donc vous voyez, c'est vraiment grand. Je vais mettre des heures à tout visiter quoi. Je vais bien galérer, ça je vous le dis. Pourquoi j'ai sorti là-bas aussi? Ok. Pff, parce que j'ai un peu du même côté en fait. Bon, je suis tenté. Là, je vais avoir deux stacks de trucs là. Puis là, je peux jeter le tube d'araignée parce que bon. Voilà quoi. Donc voilà, je mets encore vu là. Il y a vraiment des trucs de fou en fait. Quand en dessous? Je vais être riche moi. Au départ j'avais 20 ans ici. J'en ai eu 18 ici putain. Moi c'est où la sortie Voilà. Qui c'est là qui m'a tout défoncé, magnifique. Je suis vraiment pas loin de la sortie en fait. Je viens de par là. Dans les environs quoi. Vraiment pas loin de la sortie donc ça va. Je prends ça, je m'en doutais. Hop. Après, peut-être ça aussi. De nourriture. Je sors ça. La maison, elle est par là. Il n'y a pas trop de monstres. Donc ça va. Que les monstres hostiles, les cellules du crochet. Qu'on n'a pas l'habitude, ça c'est chiant. Donc là, il n'y en a pas. Donc ça va, je suis tranquille. Par là au moins, parce que. Ouais, c'est juste. Je m'en doutais. Je sais où c'est le fond en fait. Ah, la galère. C'est vraiment pas loin de chez moi en fait, tu as 60 blocs. Ouch. Mais ici, il y a quelques monstres. Et oui, et 4. C'est quoi ce truc? Il y en a 4. Bon, je vais manger. J'attends un peu de la vie. C'est bon, j'ai des acides et tout, donc si j'ai des.
je perds rien en fait. Ce jeu que je regardais avant de les attaquer. Alors enfin chez moi. Donc je suis content de moi quand même parce que là j'ai deux stacks de fer. Et ça. Donc je reprends, je prends la moitié. Et je peux pas le mettre. Voilà. Donc j'ai quand même plus de deux stacks. Donc c'est vraiment bien. Celui-là je vais mettre là. Ouais c'est vraiment pas mal. Plus ça, pas loin de stack de ficelles donc pour les arcs. Pourquoi encore? Je peux faire des laines ici si je veux. Donc je suis limité à aller maintenant que en fait la prochaine fois je vais aussi faire enfin, pour la prochaine fois j'ai un peu préparé etc pour les deux donjons en fait enfin, pour les donjons quoi en premier je vais faire le donjon à squelette parce que c'est important quand même voilà. Et aussi, je vais faire pour, comment dire, mais des loups ici, je sais même pas. Un coup mort, et mon épée aussi. Donc. Bon, ça fout pas mal. Ils sont chiants. Bon, je répète, pour la prochaine fois, je vais faire le donjon à squelette. Parce que c'est quand même important, c'est un bon truc. Et aussi. Attendez, j'avais un truc. Aussi, j'allais dire quoi? Je sais même plus en fait. Je vais faire aussi le donjon pour la Spider. Donc voilà. Mais donc le chef, il est là. Visiteur fréquent. Bon, il faut que je mine en off pour avoir beaucoup de pierres et les revendre. Donc, pour de l'argent en même temps. Donc, la prochaine fois, je fais le donjon en squelette en premier. Et en off, je vais un peu préparer pour le donjon à bah, un truc quoi. Je peux monter, voilà. Le donjon à bah, araignée quoi, spider. Mais pour faire ceci, pour le donjon à squelette, j'ai besoin que de voir qu'un seau de lave. Une pioche normale de l'eau et c'est tout en fait j'ai pas et puis une échelle quoi j'ai pas vraiment beaucoup besoin de trucs mais pour le truc un spider j'ai vraiment besoin de trucs oui quand même il faut que j'ai j'affiche en même temps je sais même plus faut que je regarde parce que ouais, je vais faire le même truc que j'ai fait sur la saison 2 en fait. Un truc qui les écrase, etc. Donc ça demande beaucoup de ressources. Puis ça fait un donjon, enfin un truc à XP en plus. Donc tant mieux, donc ça va quoi. Donc. J'ai un peu miné en off, avoir de la pierre, tout ça pour revendre bah, au village.
pour être alors, pas visiteur fréquent, être vraiment un bon truc pour monter en grade quoi, en gros, et pour dire que je peux leur faire des maisons pour moi, je vais être tranquille. Aussi pour le donjon à la piqueur. Pour le donjon, attendez. Le donjon. Je sais même plus. Le donjon araignée. Il me faut des pistons collants en fait. Il m'en faut deux, voire trois. Donc, je vais plus de faire moi. Bon, on est sur moi. Donc, il faudrait que je retue des monstres. Comme pour la dernière fois que j'ai eu mes boules. Hein. Mes boules de slime, boule collante, là, je sais même plus comment ça s'appelle à force. Donc, je vais voir un peu dans l'eau qu'est-ce qu'il y a pour voir si je peux en avoir. Ça va plus vite. C'est ici que je n'avais vu l'autre fois, mais ici rien. Ou au pire, je peux faire comme ça, attendez. Non. Voilà. Donc ça, c'est des trucs à slim. Voilà, des slim balls. C'est des trucs à slim. Donc du 0 à 40, bah, ça se peut qu'il y a des slim qui pop dans ces trucs-là. Donc bah, je peux aller visiter et puis en trouver comme un peu par hasard. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de tuer des trucs pour en avoir. Ah. Moi j'ai des requins ça. J'ai pas fait gaffe en fait. Je veux qu'au début c'était des dauphins. Mais oui, c'est ce que j'ai remarqué là en fait. Allez, à l'attaque. En fait, c'est ça qui empoisonne à chaque fois, ça c'est ça qui est chiant. On est dans l'eau, c'est... vrai que je trouve des genres de méduses, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est un peu comme des méduses quoi, ou c'est des méduses quoi. Et c'est avec ça que je pourrais avoir des slimballs. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, je crois qu'il y en a une là-bas. Voilà, elle est tout noire. Non, c'est un poisson. Qui vas-y de tuer. Bon, c'est pas grand chose. On va aller voir un peu dans l'autre étang. C'est ici un peu que des carpes. Il n'y a que ça ici, là, donc c'est pas ça qu'il me faut. Si je me rappelle bien, c'est un peu comme des méduses en fait. Si je me rappelle bien. Pire si je me trompe, vous me dites. Hop, hop, hop.
sans faute. J'ai pas de torche. Donc aussi une petite technique quand vous êtes sous l'eau comme ça. Regardez, vous êtes sous l'eau, vous vous mettez à peu près à un endroit, hop, vous faites cliquer un endroit. Ah non, c'est pas une source en fait, c'est pour ça que ça va pas. Voilà, vous voyez, ça fait ça crée un trou quoi. Et voilà, maintenant ça fait un courant, c'est magnifique. On crée dans des vents. Et voilà, ça fait un trou, donc vous pouvez respirer. Et voilà. Vous pouvez vous mettre un peu près dans le milieu. Là ça va pas. Ouais, que ça va pas. Ça va plus. C'est... Donc je vais voir si je peux trouver des slimes. Des bestioles comme je dis qui est dans l'eau là, les pas des méduses, ouais, ça doit être ça. Donc je suis quand même content parce que j'ai quand même plus de 2 stacks de fer, donc je suis tranquille pour un moment, même si par la suite je vais encore aller miner pour encore avoir plus de trucs. Je crois que par là il y a de l'eau. Ouais, voilà. Par là. Là c'est plutôt la nuit, c'est magnifique. On a le temps de rien faire dans ce jeu. On a le temps, depuis tout à l'heure je tourne en rond. Donc voilà. De les poissons se barrer. Je m'en fous des poissons, moi. Voilà, je vais me venger sur eux. Pas la peine. Ça m'énerve. C'est que des poissons, mais ça n'en pas aussi. Bah, dis donc, c'est profond. Donc, je vais retourner chez moi et je vous laisse là-bas. Je commence à avoir mal à la gorge en plus. Parce que depuis. En gros, j'ai fait mon premier épisode, enfin le 4e épisode de cette série. Après, j'ai. Ouh! J'ai enchaîné avec. Attendez. Ça va. Alors on était dehors, hein, donc je l'ai pas mis je suis pas mis en en peace full quoi, parce qu'on était dehors, donc je m'en fous un peu. Ça va donc. Bon, je suis même plus ce que je veux dire. Ah oui. Donc en fait, j'ai fait le premier épisode, enfin le 4e épisode de cette série. 4e épisode. Après, tout de suite enchaîné avec l'épisode 3 d'Assassin's Creed. Et après, tout de suite après, ou vraiment 5 minutes après, j'ai enchaîné avec cet épisode. Donc, ça fait à peu près 3 heures que je parle. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, je suis mort. Puis au moins pour la semaine prochaine, j'ai juste à faire les montages et puis voilà. Voilà, voilà. Voilà.
Je vais essayer un peu de trouver des trucs. Des symboles que je vais peut-être mettre dans ma saison 2. Là, je ne suis pas sûr que je vais faire avec des pistons normaux. Je ne suis pas sûr. Je crois que je vais faire avec des pistons collants. Donc, je vous dis à plus. Puis à la prochaine. Hop. Allez, ciao, ciao.